Devil May Cry, épisode 2, salut à tous, c'est Tiob, aujourd'hui c'est parti pour la mission, la maison des secrets. Toujours même principe, devoir faire le score, triple S, c'est parti. Un bon combo. Bienvenue dans l'ordre. C'est pas ce que j'imaginais. C'est le but. Les démons sont parmi nous, Dante. Et ils dominent totalement l'humanité. Le monde est faible, endoctriné, léthargique. Nous, on se rebelle. Nous sommes des combattants de la liberté. Nous sommes la dernière ligne de défense. De défense ? Vous n'avez aucune chance. C'est pas une question de chance. On a accumulé des informations sur les démons et sur leurs collaborateurs. Chefs d'État, banquiers, popstars. On connaît leurs points faibles. Dante, c'est bien toi. Tu ne te souviens pas de moi? Non. Tu as beaucoup de souvenirs de ton enfance? Ben, pas vraiment. J'ai eu une méningite à 7 ans. Ça m'a effacé la mémoire. Moi, on m'a dit que mon amnésie venait d'un accident de voiture. À l'âge de 7 ans. Et alors? La méningite, c'est une pathologie humaine. Mais tu n'es pas humain, Dante. Les guerres se gagnent en trompant l'ennemi, et tu as été trompé. Ton passé t'a été caché délibérément. Attends un peu, t'es qui au juste? Je m'appelle Vergil. J'ai créé l'ordre pour trouver un moyen de tuer les démons. Les épées et les balles, ça marche bien. Ça suffit pour remporter des batailles, mais pas la guerre. Nous utilisons la force, c'est vrai. Mais aussi le renseignement, la politique, la propagande. Tu crois vraiment pouvoir faire une différence? Une différence? Je crois qu'en unissant nos efforts, nous serons capables de les vaincre. Alors c'est ça que tu veux? Que je combatte les démons et que je sauve le monde? Tu comptais faire autre chose de ta vie? Vous avez l'air vraiment très sympa, les gars. Mais moi, je travaille seul. J'ai un peu de mal à faire confiance à des inconnus. Dante, t'as pas l'air de comprendre les enjeux. Si tu veux partir, libre à toi, je ne peux pas t'en empêcher. Mais tu commettrais une grave erreur. Pour toi et pour toute l'humanité. L'humanité? Oui. Mais j'en ai rien à carrer. Laisse-moi une chance de te montrer. Me montrer quoi? Qui tu es vraiment. C'était ton foyer. Je m'en souviens pas. Ça va venir. Kat, ouvre le portail. Tu fais quoi? Comme notre monde et les limbes sont étroitement superposés, par endroits, ils entrent en collision. Ce qui crée des failles. C'est ici, dans ces failles, que nous pouvons créer des portails entre l'un et l'autre. Ça sent pas la rose.
C'est quoi ce truc? Un composé que j'ai créé à partir d'une vieille formule Wiccan. Eau de mer, huile de requin, copeaux de fer, semences d'écureuil desséchées et poils de loup. Sympa. Vas-y. Cette maison renferme des secrets. J'ai trouvé le mien. C'est ton tour. Comment je reviens? On te ramènera. Mais sois prudent. Ce n'est pas sans danger. J'aime bien le danger. Tu penses que ça va marcher? Il a l'air de s'en moquer. Ça viendra. Souviens-toi comme tu étais au début. Donc c'est parti à la recherche de notre passé. Très très bien ça. Il y a quelque chose ici ou pas? Bon, de toute façon, le but étant de rush. C'est-à-dire que c'est tout droit. Alors c'était chez moi. Bon, voyons ces secrets. Si ça c'était chez moi. Y'a rien là, par là. Ok. Y'a que dalle. C'est très calme. Un peu trop beaucoup très calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Ah, il y a quelque chose là-bas, ça brille. Je me souviens de cet endroit. Ouais, jolie bibliothèque. Joli putain de salon. Ça fait au moins 5 fois la taille de chez moi avec le salon, quoi, sympa. 5 fois, que dis-je, 10? Et t'es qui, toi? Sparda. Fils de Sparda. Mon père? Ah, c'est mon daron. Faudrait prévenir les gars de temps en temps Il est pas très très beau lui hein. À qui le tour? Je crois que eux ils partent un coup. Il faut leur retirer le bouclier un peu comme ça. Ah. Coriace. Ouais, c'est ça. Ah, il se défend bien le salaud. Ah, il se défend très très bien. Donc voici ma nouvelle arme que j'utilise depuis le début, bien entendu, parce que bah, je l'ai un peu débloqué avant dans les parties précédentes. Ouais,
On va jouer le jeu, hein. On va le démonter avec. Voilà. Ah merde. Hop. Oh le salaud. Voilà, et les deux. Oh le salaud, il a dû m'esquiver. Ah, j'ai pas réussi à bien timer mon attaque. Voilà, une petite supercute qui fait du bien. Ah. Qui est là? Ok, d'accord. Ouais. Mais il y a un trou là encore. Bon, ouais, encore sauter dans les trous apparemment. Bonjour, je cherche la sortie, s'il vous plaît. On est dans les catacombes là, c'est pas possible. Ah, d'accord, on revient là. Ouais. On va partir de côté. Oula. Mais c'est qu'il a dit mon nom. Oh, il a réussi à traverser un mur. Putain, j'ai pas d'assaut. Hop. Chouchou le mur. Rapport plus tard. Oh, il y a du monde. Ah mon salaud, ah bah alors. Oh cette esquive. Ah. Ah. Je veux bouger. Laissez-moi bouger. Ah, il en fout encore lui, c'est pas vrai. Bon, il m'énerve. Voilà. Quelque chose. On va pas comme moi. Oh, oula. Bienvenue dans Stargate, les gars. On est dans la porte des étoiles.
c'est mystique comme dimension. Il y a de la mer et ça flotte. Par contre, il y a beaucoup trop d'eau. Je suis où ? Ah bah, c'est ce que je me demandais, mon gars. Je suis dans un rêve. Hop, hop, Sympa la grosse pince. Oh, j'ai failli me casser la gueule, moi. Ah, trop bien. On dégage. Ce morceau de route qui était incrusté, là on est d'accord. Allez, c'est parti. Il s'était caché. Et maintenant tu tapes. Voilà. Ça fait plouf dans l'eau. C'est pas le souvenir. Ok, qu'est-ce que t'as d'autre en réserve? Hop, voilà. Ah, j'ai failli sauter dans la flotte, moi. Ah, ça le suffisait. Oula, bah dis donc, tu me fais casser là d'un coup. Aïe. Oh, c'est compliqué là. Bon. On m'expliquera juste comment j'ai réussi à l'éviter. Un truc comme ça. C'est par là. Très jolie rose. Très jolis cheveux rouges. Maman. Je t'aime, Dante. Merci, je suis pas sûr, mais bon. Allez, qu'on finisse ça avec tout tranquillou. Ah, il est encore lui, hein.
Eva. Joli nom. Un joli prénom. Ah, vous avez tous compris. Ah. C'est sympa la faute. La faute donc est assez efficace contre. Qu'est-ce que. Ouais. Je m'en fous de ça. Je peux pas le passer. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais. A ou F. Ouais, c'est bien. Laisse-moi continuer mon jeu. Je suis Keblo. Qu'est-ce que c'est? Le jeu il est bugué. Ah mais tais-toi. J'ai pas envie d'avoir les aides. Et au fur et à mesure où on le touche, elle se charge, elle fait plus de dégâts il me semble. Un truc comme ça ouais. Ah. J'ai perdu pas mal de vie hein. J'espère que ça me fera pas défaut pour avoir le triple S. Oula, oula, les piliers, revenez là. Ah c'est long hein. Ouais c'est plus rapide. Cool. On va dire que c'est par là. Ouais. Ça a l'air. Je crois. Qu'est-ce que c'est que ça? Une rose bleue. Mais elle n'est pas fallée depuis le temps, la vache. Allez, on est reparti dans le portail du Stargate. Les guerres se gagnent en trompant l'ennemi, et tu as été trompé. Ton passé t'a été caché délibérément. C'est comme cet arbre, il me pousse en plein dans la pierre. Il est badass. Encore un autre. Ah ouais, lui, il pousse vraiment dans... Il n'y a pas de racines. Hein. C'est... Comment faire? Oh, je sens le pouvoir sortir. Et un petit grappin, hein. Hop là, le skill. Petite roulade, voilà. Je vais finir par me casser la gueule, moi. Tiens, allez, casse-toi. C'est bon? Il est encore vie ou... Ah, voilà.
Ah, m'a bloqué l'autre. Voilà. Suivant. Voilà, on casse les têtes de... C'est une bonne question, je ne sais pas quelle est cette chose. Voilà, tourne la flotte. Moi, c'est une bonne question, tu pourrais pas te renseigner avant. Non, mais c'est... Si tu te fous encore plus dans la merde, c'est pas ouf. Hein. Comment tu connais mon nom? Allez, c'est reparti. On retire le bouclier, on fonce dessus. Et on finit. Voilà. La sortie, s'il vous plaît. Merci. Oh, une photo de famille. Décidément, il y en a un, on veut pas voir sa tête. Hein. C'est... Je me souviens de ma mère. Elle s'appelait Eva. Elle m'a donné ceci. J'avais un frère aussi. On formait une famille. Je me doutais pas qu'on courait un grand danger. Les démons sont arrivés. Entrés, j'ai vu ce monstre. Elle s'est sacrifiée pour qu'on puisse s'enfuir. Je n'oublierai jamais ce qui lui a fait subir. Notre père, Sparda, nous a emmenés, mon frère et moi. Il nous a séparés, nous a cachés parmi les humains, et a entièrement effacé nos souvenirs. Tout n'était qu'un voile noir, jusqu'à présent. Ah, est-ce que c'est un bon père ou pas? Bonne question. Est-ce qu'il a bien fait ou pas? Ah, pour le jeu, on va dire non, mais... Oula, 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 hé. Ok. Pas du bon sens, ça, comme on fait maintenant. Bon, moi je me tire. Moi, c'était une bonne idée. Hop là. Voilà. C'est... Oula, ça tremble dans tous les sens par là. Surprise! Je suis de retour! T'as changé, mon frère. Mon frère. Oh. Ton frère jumeau.
Ça faisait longtemps que je te cherchais, tu sais. Notre mère nous les a donnés. Je pense qu'elle savait que ce moment viendrait, que nous serions réunis. Et notre père, Sparda ? Banni à jamais. Un châtiment pire que la mort, dit-on. Il ne reviendra pas. Je veux en savoir plus. D'où nous venons, ce qui nous est arrivé. Et surtout, je veux savoir qui est responsable de tout ça. Les magouilles ont réussi. Ça fait pas beaucoup. Si, c'est bon, point de style, on entend. Ah purée, j'ai mis trop de temps. Oh, ça passe. Oh, j'ai de la chance. Oh, j'ai de la chance. Ça passe malgré le temps WS. C'est passé. Donc deuxième mission terminée. Voilà, on connaît un peu plus nos origines, nos parents, etc., notre famille. À savoir maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Donc je vous remercie d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine mission. C'était Tiob, ciao.